peinture. Et du coup, qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que tu peux t'expliquer un peu? Je suis simplement en train de racler le rouleau, parce qu'il est imbibé d'eau. Donc ça sert à vraiment l'essorer, on va dire, pour pouvoir l'utiliser juste après. Merci. Voilà. Là, du coup, si on a Odilon qu'on a filmé tout à l'heure. Du coup, moi, ça, c'est la deuxième partie qui suit juste après. Okay. Pour vraiment essorer au maximum de l'eau qui est à l'intérieur. Pour pas que ça fasse défaut quand on enlève la couche. Vous avez pris votre baptême. Le Seigneur est devenu votre Père. Amen. Il m'a gardé. Gardez Pino. Amen. Alléluia. Amen. Yaya, parmi nous, il y a un pécheur.
qui sont là. Les gens vont dire que les amis sont là. Notre frère Franck qui me vient de l'Afrique du Sud. Le Gabon et les Gabonais qui sont là. Et puis à la France. Jessie qui me traduit souvent en anglais, qui est français d'origine antillaise et qui est venu juste pour l'inauguration. Il est arrivé hier et il repart demain. Jessie a dit mon en anglais, avec qui l'on dit, avec qui l'on peut se zoomer le bingo. Bonne Nabino. Malam Nabiso. Non, c'est je bénis le Seigneur pour ce pays. C'est un pays qui a un grand potentiel. Et c'est vraiment une joie immense d'être parmi vous. De faire partie de cet événement. La raison pour laquelle aussi je voulais venir, c'était vraiment pour voir l'œuvre que le Seigneur fait. Il y a plein de spécialistes de la médecine. Les alliés n'a pas tout mis, il y a pas de moustiques dans la salle de deux semaines. Ils vont vous soigner. On a travaillé avec l'équipe sur place. Deux semaines. Ils vont vous écouter. Ils vont vous soigner gratuitement. Comme territoire de la RDC ne sera cédé à qui ce soit. Le sang a s'écoulé. Le Seigneur qui m'a dit de revenir au Congo est capable de nous donner la victoire. Et je prophétise, je déclare les nations entendront parler de l'œuvre du Seigneur au Congo. Je le crois. Thank you.
Voilà, on va enlever un peu. Moi, je vais enlever la fibrille. Ouais, tu peux enlever la fibrille. C'est ça. Par contre, elle est allergique à la vitamine. Et là. Et après, c'est un hôpital qu'on a fait. T'as vu? À la moto. Venez. Ah, on vous dit encore.